Elles se sentent soutenues, seront d'autant plus efficaces. On a vu beaucoup de buts tout à l'heure pour le premier match. Mesdemoiselles, on compte sur vous. Vous les jouez de quel côté? Ils sont où les supporters? De ce côté, oui. Enfin, hein, on garde le protocole. Alors, sous les vivas d'un public en folie, nous accueillons en rose le FC Rousset Sainte-Victoire. Qui vont défier les noirs du FC Martigues. Voilà. Donc ce match va nous ouvrir l'appétit, hein, puisque juste après il y a la pause déjeuner. Le FC Rousset Saint-Victor nous invite pour déguster un coteau d'Aix-en-Provence. Non, c'est pas ça que j'ai compris. J'ai compris tout à l'heure. Ah, c'était pour monter à la Saint-Victor, vous avez été là. Voilà, donc ok, tout va bien. Voilà, superbe photo. Donc nos championnes qui vont s'en donner un cœur joie. Le FC Rousset Saint-Victor qui va peut-être continuer. C'est le dernier match hein, pour les filles du FC Rousset Saint-Victor. Donc le vélodrome est à portée demain. Thank you.
C'est le fou, hein. C'est pas vrai ça. Qu'est-ce qu'elle me fait encore, elle? Possible, ça. Allez, on y va.
Voilà, donc retour sur l'actualité de ce match en ce moment entre le FC Rousset, Sainte-Victoire et Martigues, toujours 1-1 entre les deux équipes. Martigues donc qui résiste à la furia du FC Rousset Sainte-Victoire qui obtient un corner. Corner à suivre. Et c'est le but sur ce corner, sur la dernière action, sur l'incroyable, les filles du FC Rousset qui sont allées chercher la victoire sur ce dernier corner. Ouh. Bravo. Voilà, donc c'est la pause déjeuner. Alors on va essayer d'organiser, voir si on peut avancer le match entre Saint-Henri et l'US Miramas, puisque voilà, il n'y a plus de match. Donc effectivement, si on arrive à trouver un arrangement pour éviter de patienter. C'est vrai que... Voilà, donc si on arrive, hein, alors le deal, ça serait de voir si Miramas, elles sont prêtes à jouer là pendant la pause déjeuner, et ça avancerait leur match comme ça de ce soir 15h, elles pourraient rejouer à 13h45.